Je disais pour Créteil, Dieu n'est pas un Dieu de quantité. Dieu est un Dieu de qualité. Nous pouvons être à deux, à trois. Tant que nous sommes purs à ses yeux, le Seigneur fera des grandes choses au-delà de ceux qui sont au nombre de milliards. Nous prions un Dieu de consolation. Dieu a vu que nous avons connu des difficultés, nous avons connu des douleurs, des chagrins. Donc le temps est arrivé. Jérusalem a connu pareil, les enfants d'Israël ont connu pareil, mais il y a un jour où Siméon a vu la consolation. David a vu la consolation. Job a vu la consolation. Donc Créteil, les bien-aimés de Créteil, accrochez-vous. Le temps de la consolation est arrivé. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Moustakoli News. Avec Nila Mbungu. Vos informations en temps réel. La bonne information, c'est Moustakoli News. Jésus, il est le Dieu véritable.
Rien n'est impossible à Jésus. Amen. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Amen. Quand il ouvre sa bouche, l'accomplissement suit. Amen. Il s'appelle l'imbattable, l'invincible. Il est celui que le peuple vainque. Il est le roi, il est le Seigneur. Kamwana bandidi, kamwana mokilie. Satana atondi samina zua. Ye a indi simite maya bato. Basusu babenga kayo nanga kisye. Basusu babenga kayo bezebulu. Kina lele yo mamingi baboya yo. Kasi nara bengi yo mokonzi. Isiko ya bomo inanga. Ngumba ya bomo inanga. Yonde ya yananga. Jambo yo bandi bika mwana mokilie. Satana tondi samina zua. Ye ya indi simitema ya bato. Basusu babena kayo bezebulo. Basusu babena kayo mwana maria. Kina lolo yo bamingi maboya yo. Kasi nana pengi yo mokonzi. Lisiko ya bomo inanga. Ngumba ya bomo inanga. Yonde ya yananga. Tu es digne. Tu es digne. Ce soir, toi le Dieu d'autrefois, le Dieu d'Israël, toi le Dieu de David, qui a battu Goliath. Éternel, au-devant de toi, aucun géant n'est plus géant que toi. Amen. Je ne connais pas un géant qui soit plus géant que toi, Jésus. Je ne connais pas un homme fort qui soit plus fort que toi. Je ne connais pas un Satan, un démon qui soit plus fort que toi. Je ne connais pas un sorcier, une sorcière qui soit plus fort, Jésus, que toi. Alléluia. Tu es imbattable, Dieu. Tu t'appelles la solution. Tu es la résurrection. Tu es celui même quand on a enterré nos problèmes. Même quand on a dit tout est fini. Même si Seigneur, un décret a été signé. Tu es le Dieu qui ressuscite tout ce qui nous appartient. Amen. Oui, tu es le dernier mot. Tu es le point final. L'ennemi peut tout faire ce qu'il veut, Jésus. Tant que tu n'as dit un mot, rien ne se fera. Parce que tu es le maître. Et tout genou fléchit au devant de toi. Amen. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Alléluia. Nous t'acclamons, Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Les âmes. Tu es là. Les âmes. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Nous vous aimons dans le nom de Jésus. Amen. Et nous vous saluons beaucoup. Amen. Amen, hein? Amen. Nous vous saluons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je salue tous les papas, toutes les mamans, les jeunes. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Amen. Amen, hein? Amen. Vraiment un bon moment. Plus de 10 ans. Amen. Amen, hein? Amen. Plus de 10 ans, mais le Seigneur a permis qu'aujourd'hui nous puissions partager sa parole. Nous sommes là, éloignés, mais nous sommes toujours prêts. Amen. En esprit, nous sommes un. Amen. Dites amen. Amen. Nous sommes un en esprit et ensemble nous vaincrons. Amen. Jésus a dit, petits enfants, ne craignez point. Ne les craignez. Il dit, car j'ai vaincu le monde. Il dit, vous aussi vous vaincrez. Dites amen. Amen. Vous aussi vous vaincrez. Amen. Vous savez, j'aime Jésus. Il dit, vous êtes des brebis au milieu de loups. Maman, Jésus dit, vous êtes des brebis au milieu de loups. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes des brebis au milieu, et mais il nous rassure. Il dit, petits enfants, ne craignez pas les loups. Moi, j'ai vaincu les loups. Vous aussi, vous vaincrez les loups. Et si on a brebis à zobé à loup, et là, je suis. Et si vous me comprenez, amen. C'est pas si vous comprenez là où je suis arrivé. Amen. Nous sommes des brebis au milieu des loups, mais par conséquent, nous vainquons les loups. Amen. Et qu'est-ce que vous comprenez? Dieu choisit des choses faibles pour confondre les forts. Est-ce que vous comprenez? Amen.
C'est pourquoi lui n'a pas voulu que nous soyons des loups. Non, il dit, bon, on va à la banque, on lion, on va loup. Mais moi, mes enfants, moi, sont des brebis. Mais ma brebis, ma bête, elle va loup. Vous savez, lorsque la Bible parle, ou que pas la Bible, mais lorsque nous parlons de la consolation, cela veut dire qu'au préalable, il y avait quoi? Il y avait la désolation. Il y avait le chagrin. Il y avait la douleur. Dites amen. Amen. On ne peut pas parler de consolation si au préalable, avant, il n'y a pas eu désolation. Il n'y a pas eu chagrin. C'est comme ça que quand nos bien-aimés ou un frère ou une sœur a perdu un bien-aimé, nous disons quoi? Nous allons consoler la sœur, nous allons consoler le frère. Dites amen. Amen. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a eu une désolation. Il y a eu, bien-aimé, un chagrin, une douleur. Mais bien-aimé, je veux te rassurer ce soir que tu pries à un Dieu qui console. Amen. Et tu ne me saisis pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous prions un Dieu consolateur. Amen. Dites amen. Amen. Et la consolation, bien-aimé, a plusieurs définitions, comme vous le savez, ou synonymes. Mais moi, je voulais aujourd'hui parler du dédommagement. Amen. La consolation veut dire aussi dédommager. Amen. Alléluia. Amen, amen. Consoler veut dire dédommager. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, quand Dieu nous console, il nous dédommage. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel. Qui va lire? Nous sommes dans 1 Samuel. Non, lisons d'abord Luc. On va lire 1 Samuel après. Lisons Luc chapitre 2. Luc au deuxième chapitre, du 25e au 32e verset. Luc 2, 25 à 32. Je lis la parole de Dieu dans Luc 2. 25 à 32. La parole de Dieu déclare: c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au sixième mois, il m'écrit à 23e: fidèle, faisons quelque chose pour l'université. Alléluia. Pourquoi? Je me suis mis à prier pendant 3 mois. J'ai dit: Jésus, j'ai besoin de cet argent. Vous savez, l'offre, nous étions à plus de 2 millions de dollars. Alléluia. Il fallait se battre, mon frère, ma soeur. C'était une désolation pour moi. Celui qui m'avait dit: va, tu vas faire les études. J'arrive, l'architecte refuse. Dieu me montre qu'il a amené le projet dans le vétiche pour que lui puisse tout avoir. Tous les projets, lui. Alors que déjà, étant architecte, il avait déjà beaucoup bouffé. Hein. Lui, il était à 6 500 000. Il avait déjà beaucoup bouffé. Alléluia. Amen. Il voulait tout ça l'accaparer. Il a oublié qu'il y a un David. Amen. Il y a un David. Alléluia. Il y a un David. Papa, maman, la consolation viendra. Amen. Amen. Jean-Baptiste, je sais que mon rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera quand? Le dernier. Amen, amen. Pourquoi? Parce que lui, s'il vient, il s'élève le premier. Comment tu sauras qu'il est Dieu? Au sein de nos retours, au sein de mon émotionnel, on a bonne élégité, ça va pas mourir. La bonne élégité, la Suisse. La bonne élégité, la balle. Tu m'as dit que ça s'est fait. Attends, la bête, la bonne élégité. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jean, il a fallu que Lucifer, que le diable passe avant Jésus, que le diable pille. Bien aimé, le Jérusalem à l'époque était assujetti entre les mains des Romains. Et la Bible dit: Siméon était averti. Siméon, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le Christ. Et la Bible dit: ces jours-là, il se présenta au temple. Et il voit qu'on amena, bien-aimé, entre ses mains, l'enfant Jésus. Il prit Jésus entre ses mains. Il dit: Père, maintenant, je peux m'en aller en paix. Maintenant, on a la douleur au tigre qui n'a pas. Donc, il y a des parents qui meurent au tigre, ils vont balader, ils vont bloquer l'enfant, la malédiction, ils vont faire un chagrin.
Vous connaissez l'espérance de vie au Congo? Elle est réduite à 45 ans. Je vous dis, lisez. Moi, j'ai lu. Hein. Ça ne vient pas de moi. C'est écrit. L'espérance de vie au Congo est réduite à 45 ans. Les gens, papa, vous avez un papa qui se réveille un matin, il voit tous ses enfants qui n'étudient pas. Parce qu'il est fonctionnaire, il garde ses 100 dollars. Aujourd'hui, pour scolariser les enfants, des bonnes écoles, ça coûte déjà moins. La moyenne, c'est 800 dollars. Bon, lui, il en a 5, 6, parce que vous savez, aussi, hein, dans la pauvreté, les enfants mettent beaucoup d'enfants au monde. C'est pas moi qui le dis. Il y a un philosophe qui a dit, la table du pauvre est maigre, mais son lit est fécond. C'est pas moi. Mais il a raison. Je vous dis, il a raison. Les riches n'ont pas beaucoup d'enfants. Parce qu'un enfant coûte cher. Vous savez ça? Il faut l'éduquer. Il faut les soigner. Il faut bien les scolariser. Est-ce que vous savez ça, les parents? Vous êtes européens, vous n'avez pas la crème, vous voyez. Imaginez, tu en as 5 à Ninive. Combien ça te coûte? Vous voyez? Maintenant, c'est comme ça que les gens meurent à la fleur d'âge. Ils se réveillent, les enfants ont faim, ils pleurent, ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas scolarisés. Vous allez voir les filles, déjà quand ils atteignent 14 à 15 ans, elles sont engrossées. Parce que c'est la pauvreté. Elles veulent demander à avoir du pain. Mais comment? Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est comme ça que les gens meurent vite. Vous savez, s'il y a aussi un géant pour lequel nous devons nous lever tous les jours, c'est la pauvreté. Il faut haïr, gérer la pauvreté. Vous ne pouvez pas imaginer comment je me bats contre ces géants. Parce que mon grand-père a tout sacrifié sur les hauts lieux. Dieu m'a montré. Il a vendu tout. Tout. Alléluia. C'est comme ça, Siméon, il bénit Dieu. Il dit, maintenant, j'ai vu la consolation d'Israël. Il dit, je peux m'en aller en paix. Tu vois, n'a consolé. Je vous ai dit consolation pour moi. Je me tiens sur un seul synonyme. Dédommagement. Il dit, nous avons suivi au dédommagé. Et vous avez compris. Amen. De tout dommage que j'ai connu, de toutes les douleurs, de tous les échecs, aujourd'hui, tu m'as dédommagé. Maintenant, je vais m'en aller à paix. Écoutez, mon frère, mon soeur. Je sais que vous avez connu beaucoup de problèmes. Cher papa de Paris, cher maman, les JCC. Il y a beaucoup de jeunes ici qui ne me connaissent pas malheureusement. Ceux qui connaissent beaucoup ne sont plus là. Alléluia. Amen. Les jeunes, tenez bon. Est-ce que vous m'entendez, JCC? Amen. Les enfants, priez le vrai Jésus. Amen. Ici, vous êtes dans le vrai. Amen. Moi, je n'aime pas le faux. Amen. Moi, j'ai été averti il y a 7 ans. Il y a 7 ans, de toutes les choses que vous voyez là, moi Dieu m'a averti il y a 7 ans. Et il y a 7 ans, moi je ne voulais plus mes pieds là-bas. Parce que Dieu m'avait parlé noir sur blanc. J'ai dit il y a 7 ans, toutes les divisions que vous voyez là, moi il y a 7 ans. Et Dieu m'avait parlé. Dès que nous avons enterré papa et maman, Dieu m'a parlé. Il y a 7 ans, j'avais cessé d'y aller. Parce que je n'aime pas les ténèbres. Je connais Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Amen. J'aime pas badiner, je connais Jésus. Bien-aimé, vous savez, sur terre là, soit tu arrives à vaincre Satan et tu vis avec Jésus ou tu perds et tu vis avec Lucifer pour l'éternité. Et ça, moi, j'ai dit non. Je ne peux pas accepter. Je suis du type opiniâtre. J'aime la justice depuis mon enfance. J'aime pas qu'on écrase bien-aimé les justes. Ça, j'aime pas. Amen. Ça, j'aime pas. Je suis comme ça. J'aime pas. Autant qu'on a noté. Et puis, je vais te le dire en face. Moi, je boxe 5 ans. Ma tournure était non montée. Je suis comme ça. 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 Je te le dirai. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et comme Dieu connaît mon cœur, Dieu m'a parlé il y a 7 ans. Il y a des gens qui sont choqués, moi je ne suis pas choqué. Les ténèbres et la lumière. La Bible dit au départ de la Genèse, Dieu dit, il vit
que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il faut que vous compreniez. Je vais vous dire une chose. Même si vous êtes ici, ce n'est pas moi, 30, 40, ne vous en faites pas. Dieu, c'est un Dieu de qualité. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de quantité. Amen. Moi, j'aime prier. Quand j'ai prié avec ma femme, Nana ou Nana, moi, Jésus vit chez moi. Il vit chez moi. Jésus, il vit chez moi. Amen. Avec ma femme, il vit chez moi. On n'est pas millions. Toi, là, deux, il vit chez moi. Amen. Moi, dans ma maison, même quand vous avez, il y a certains soi-disant chanteurs chrétiens là. Ceux qui ont dit que vous avez dit que vous avez dit. Ma femme le sait. Écoute, t'es. Chez l'autre, la nuit, l'homme a éventué, l'homme a éventué, l'homme a éventué. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, Dieu n'est pas un Dieu de quantité. Dieu, c'est un Dieu de qualité. Amen. On peut être ici à 30, nous prions dans la sincérité, dans la vérité, dans la pureté. Et Dieu de Sabi nous bénit. On n'a pas besoin d'être nombreux pour tout le monde, c'est faux. Même quand je suis seul, je sais qu'il est là. Je n'ai pas besoin. C'est ça, je vous parle de ces dieux-là. Je dis, confiez-vous en lui. Peu importe les douleurs, le combat, l'adversité. Ce que vous connaissez là, j'ai dit la consolation est réelle. Amen. Le Seigneur finira par te consoler. Amen. 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 Parce qu'on n'a pas assez de temps. Il faut que je jette un coup d'œil parce que je ne vois pas les montres tout autour, excusez-moi. Il ne faut pas que je déborde. Hein. Alléluia. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire? Parce qu'on n'a pas assez de temps. Quand David avait fui Saül. Il vivait dans la forêt avec ses serviteurs. Ils étaient à 600. Alors, il avait élu domicile dans un village qu'on appelle Tiklage, pour les lecteurs de la Bible. Alléluia. Un jour, ils sont allés faire une inscription. Ils ont mis 3 jours. Ne sachant pas que le Philistin était passé par là. Bien aimé, les Philistins ont amené et les femmes et les enfants. Ils ont tout pris et ils ont brûler le village où David demeurait avec ses serviteurs. Ils sont partis avec les femmes et les enfants. Mon frère, ma soeur, la Bible dit quand David arriva avec ses serviteurs, ses filles, vous allez lire, je vais vous donner, nous lirons après, hein, parce que le temps est exacté. La Bible dit ils furent dans une grande désolation. C'était une désolation. Papa, aux onina ou tu m'as mazaté, banavazaté. Mon ami, tout ce que ça a vu dans les années, et que. Au bout du bain, on va dire moto. N'habitez ce que ça a vu. Et ça, on va pas me soir au canal du bout, alors que tu as vu la salle. Et quand vous lisez la Bible, bien aimé, c'est ce que les serviteurs de David avaient fait. La Bible dit qu'ils avaient perdu courage. Ils ont pleuré, ils ont crié. La Bible dit même, écoutez, si vous allez lire, la Bible dit qu'ils étaient au point de lapider David. Pourquoi? Désolation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Faites attention, dans la désolation, tu risques de maudire Dieu. La femme de Job a dit maudit Dieu. Non, on dit les points. Et c'est pour nous, Nzambé. Pour nous, il faut la matin. Si on a bon idée, Nzambé, il dit ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ce dont prospérité a déjà été. Le problème, c'est d'où nous venons. Nous venons des familles condamnées, vendues. Des familles, tout a été sacrifié, papa. Est-ce que vous me suivez? Amen. Bien, les serviteurs de David étaient au point de les lapider. Ils ont pleuré. Mais j'aime David. La Bible dit, David, il a pris courage. Amen. Vous savez, la consolation, c'est quoi? C'est réconforter. Amen. Le Seigneur a réconforté David. Il dit non, mais toi tu es un homme de combat, David. Mais est-ce que c'est la première fois que tu connais ça? Mais tu as battu Goliath. Amen. N'est-ce pas toi, David? Qui battait les Philistins? David! Bien aimé, la Bible dit David reprit et consulta l'Éternel. Poursuivais-je l'Éternel? Dieu lui dit oui, poursuis, tu as
frère, ma soeur, c'est ce Dieu-là que moi j'aime. Ne baissez pas la garde. Le diable te bat, bat le diable. Après, si on lui confie, bêta. Vous savez, les chrétiens qui ne combattent pas, c'est comme un boxeur sur les rings qui reçoit le coup de son adversaire et qui n'y réplique pas. Si vous voulez, pour les mamans ou les papas qui connaissent un peu les règles dans la boxe, quand sur les rings, hein, au télévis, au BCK, l'arbitre fait quoi? Il arrête de combattre. C'était KO debout. Il arrête. Il arrête. Tu ne répliques pas. C'est dangereux. Tu ne fais que recevoir. Ça t'a bêté au bout. Les serviteurs, la Bible dit que les serviteurs étaient dans la désolation. Alors que c'était des guerriers. Hein? Des guerriers. Moi, c'est Aké. Oui, Balela, tu loues Balela. Mamouanio, Tatouane. Baleli na chiluba, ba Congo, baleli, baleli, ba Swahili, baleli. Dites amen. Ce qui me donne au point, la Bible dit, j'étais au point de lapider leur maître. Tu vois, à cause de toi, tu nous as emmenés là-bas. Moi, ma femme est partie. Où est-ce que je vais retrouver ma fille? Ma fille est partie. Bien aimé, la Bible dit, Dieu réconforta David. David, il a pris courage. Mais moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis celui qui a bâti Goliath. Même si mes femmes sont parties, les enfants, mais l'Éternel est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je dis, tu as Jésus. Réveillez-vous. Ne vous lamentez plus. Ne vous lamentez plus. Alléluia. Ne vous lamentez plus. Se lamenter ne sert à. J'ai dit, battez-vous. Vous avez déjà cette salle-là. Même si vous avez deux jours d'intercession, venez battez-vous, priez. C'est déjà suffisant. J'ai dit, c'est déjà suffisant. Et l'adoration que vous avez chaque dimanche. Battez-vous. Battez-vous. Ne soyez pas comme les serviteurs de David. Alors qu'ils étaient des guerriers. C'était des combattants, des soldats. Bien aimé, ces jours-là, la Bible dit, ils ont pleuré. Ils ont déchiré les habits. Nous ne pas comme le l'ennemi. Barutosuki. Les femmes sont parties, nos enfants sont partis, tout ce que nous avons amassé toute leur vie est parti. Bien-aimé, j'aime ta éternelle. Il saisit David. Alléluia. La Bible dit, il appela à l'homme de Dieu, le sacrificateur. Il dit, amène-moi les fautes, je vais consulter l'éternel. Il consulta l'éternel, le consolateur, le Dieu d'autrefois, le Dieu de mes combats, le Dieu qui me donne les victoires. Où es-tu, Jésus, où es-tu? Jésus lui dit, David, David, lève-toi. Il dit, Seigneur, poursuivrai-je? Il dit, oui, va, tu les atteindras. Et tu délivreras les femmes et les enfants. Est-ce que vous me comprenez? Si je suis l'homme de Dieu, si je suis l'homme de Dieu, je fléchis mes genoux. Alléluia. Que Jésus s'élève dans mon. Que le Seigneur console vos âmes. Que Jésus console vos âmes. Que Jésus console vos âmes. Que l'homme qui a pillé vos enfants. Alléluia. Que l'homme qui a pillé votre argent. Alléluia. Que le géant qui vous prive de paix et de joie. Qu'il soit capturé et mis à mort. Alléluia. Au nom de Jésus. Le Dieu de ta vie est Dieu, mon frère. Le Dieu de ta vie est Dieu. Je t'annonce un Dieu imbattable. Peu importe la diversité. Peu importe les combats. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Le Dieu d'annonce ta vie est Dieu. Le Dieu de la Bible est Dieu. Il est Dieu. Il ne m'a jamais abandonné dans mes combats. Jamais. Il m'a dit, fidèle, je ne serai pas. Jamais, il me l'a dit. Dans mes adversités, elles s'élèvent. Il s'élève toujours. Oh, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme lui. Amen. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia. Il est le Dieu qui te délivre. Il est le Dieu bien-aimé qui te console. Amen.
J'ai dit, la consolation, c'est aussi dédommager. Il va te dédommager. Je m'adresse à quelqu'un qui connaît tant de difficultés. Je sais, vous avez beaucoup semé à l'époque. J'ai connu des papas, des mamans ici. Vous avez donné de tout votre cœur. Vous avez tout donné. Aujourd'hui, peut-être vous n'avez plus d'argent, papa, maman. Vous dites, qu'est-ce qu'avons-nous fait? Nous avons servi Jésus pour avoir quoi? Bien-aimé, je te parle d'un Dieu vivant. Il permet, j'ai dit Dieu permet. Il est souverain. Il permet. Mais quand il s'élève, personne ne pourra le faire asseoir. Personne ne pourra plus, bien-aimé, faire obstacle à Jésus. Il est Dieu. Moi, je l'ai vu tuer des gens dans ma vie. Je t'ai dit, je l'ai vu tuer des gens dans ma vie qui s'opposaient. Parce que Dieu voulait faire quelque chose et Dieu les a tués. Je te parle d'un Dieu que je connais. Il ne m'a jamais déçu. Jamais. Depuis que je lui ai confié ma vie, jamais je suis déçu. Oui, la diversité viendra, papa. Je te l'ai dit, maman. Il permet la désolation. Il permet le chagrin. Mais il est aussi le consolateur. Il est le réparateur de brèches. Il est le rémunérateur. Le rémunérateur. Amen. De tout ce que les cherche. Alléluia. Il est le rémunérateur. Amen. Nous allons l'adorer. Nous allons adorer Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen
Les brevets sont là. C'est un brevet d'invasion. On a prêté ça chez eux. Amen. Hein? Arrêtez, on n'a pas volé. Hein? On a demandé l'autorisation, ils nous ont cédé. Amen. Les millionnaires. Est-ce qu'il y a des millionnaires ici? Est-ce qu'il y a des millionnaires? Nous croyons qu'il y a des millionnaires ici. Il y a des mamans ici qui vont en Chine, qui ramènent 10 conteneurs. Il y a des papas ici qui vont à Dubaï, qui ramènent 50 conteneurs. Il y a des jeunes des JCC ici qui font des grandes choses, qui sont à, là-bas aux États-Unis, là-bas, la montagne, là, vous savez comment? La montagne des Zougamers, là, c'est quoi? Voilà, il y a des JCC qui sont là-bas, qui travaillent là-bas, qui génèrent des millions, qui génèrent des brevets d'invention, qui génèrent des inventions multiples. Nous allons nous lever, les millionnaires, pour apporter dans notre maison. Je cède le micro à papa. Éternel, je te vois encore, je te glorifie, je te montre. Les millionnaires qui vont mettre dans le panier. Toi qui as dit, Seigneur, que l'on puisse prospérer à tous égards, qu'on prospère l'état de nos temps. Que nous puissions prospérer, Seigneur, à tous égards, Seigneur. Je remercie pour le moment entre tes saintes mains. Bénis tous les mains qui vont mettre dans le panier et que tu les couvres par ton sang. Par le nom de Jésus, je dis Amen. Amen.
Qui a apporté cette parole dans nos cœurs, nous savons qu'il est l'heure. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Il t'a plu que ce soit en ces jours que tu nous apportes cette parole. Père, merci. Je sais une chose, que tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, moins encore le fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu as dit, tu le feras. Parce que tu es Dieu. Nous croyons à cette consolation. Seigneur, nous bénissons les retours de ton peuple. Que les retours soient triomphales au nom de Jésus. Nous bénissons la semaine qui va commencer, Père. Je prie, Éternel. Tu m'as dit fidèle, quand tu m'invoqueras, je te répondrai. Père, réponds-moi. Je prie que la semaine de tes enfants soit bénie au nom de Jésus. Que cette semaine qui commence, qu'il soit la tête ou non la queue, et cela au nom de Jésus. Et que tout ce que leur main touchera aille de l'avant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie aussi contre tout ennemi de tes enfants. C'est lui qui a pris la décision que ton fils et ta fille ici présents, qui ne soient pas bénis. L'esprit qui s'assure que ton fils et ta fille ne voient pas ta gloire. Père, je viens m'opposer à cet esprit. Qu'il soit domination, qu'il s'appelle autorité, principauté, géant, paix, que ces géants tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te bénis, papa. Que ta gloire accompagne ton peuple. Couvre ton peuple de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Amen.